C'est dans le Christ Jésus que mon salut. Un éclat pour le passé pour moi. Tous les instants, thank you.
grâce, mon maître béni. Que le joie, que la reconnaissance de te savoir vivant, notre Dieu. Parce que tu l'as dit, que puisque je vis, nous vivons également aussi tard. Nous vivons parce que toi, tu es vivant. Et nous sommes là parce que tu es aussi présent au soir. Que ton nom soit béni encore ce matin. Qu'il soit glorifié encore en ce jour, mon maître béni, Père, de ce que tu nous as accordé. Vraiment, c'est une joie d'être rassemblés dans ces lieux. Combien nous chantions les chants des cantiques avec allégresse, Père. Combien nos âmes s'élevaient devant toi, reconnaissant réellement ta grandeur à toi, mon maître béni, Père. Ce que tu as déterminé, tu l'accompliras certainement, Père. Et nous réalisons combien nous sommes attachés à toi, parce que c'est toi qui nous as appelés, ô notre Dieu. Et c'est toi qui nous conduis aussi, mon bénémoine Père du sang. Et dans ces moments, mon maître béni, Père Saint, nous sommes un peuple privilégié, parce que le Dieu du ciel a trouvé bon de nous choisir aussi, Père. Que nous soyons ton peuple à toi, mon maître béni, Père, pour marcher à la tête à battre encore, bénémoine Père, dans ces temps où nous vivons ce bas. Merci pour les hommes des cantiques qui sont montés devant ton trône de grâce. Merci pour chaque prière, mon bénémoine Père Saint. Merci encore pour chaque âme rassemblée en ces lieux, bénémoine Père. Et ceux qui sont aussi à l'écoute encore, bénémoine Père, qui soient aussi bénis, mon bénémoine Père. Oh, nous nous préparons à ta rencontre, mon roi. Sois avec nous encore ce matin, mon maître, nous avons prié, Père Saint. Nous voulons entendre ta voix nous conduire encore, Père. Nous parler, bénémoine Père Saint, parce que nous avons tellement besoin de toi. Aide-nous encore et soutiens, Père. Merci encore pour nos péchés, mon bénémoine Père Saint. Et que ta grâce soit avec nous encore aujourd'hui. Merci pour les gens des cantiques. Merci pour les psaumes aussi, Père, par d'avoir ainsi prié. Au nom du Seigneur et sauveur de Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Combien il est bon, notre Dieu. Combien il est merveilleux, notre Seigneur. Amen. Nous avoir accordé encore le souffle de vie en ces jours pour que nous soyons rassemblés dans sa maison, afin que nous puissions élever nos voix et tout notre cœur devant son trône de grâce pour le louer, le remercier encore pour ce qui nous a accordé la joie d'être un peuple qui lui est attaché, un peuple qui lui est aussi soumis, un peuple auquel il a aussi ouvert les oreilles pour entendre, et aussi, il a aussi ouvert les yeux pour qu'il puisse voir. Nous remercions notre Dieu de ce que certainement, c'est comme l'Écriture le dit, c'est à lui de conduire nos pas. Et sur ce chemin où nous sommes, c'est lui qui nous a placés. Il connaît réellement aussi le chemin parce qu'il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nous le remercions de ce qu'il ne nous a pas laissé seul, il nous a fait la promesse de pouvoir venir, d'être avec nous, de pouvoir nous conduire et nous instruire et de pouvoir réellement aussi nous préparer, nous aider à ce que nous puissions nous préparer de la bonne manière comme les Saintes Écritures les disent aujourd'hui. Nous remercions le Seigneur parce que nous pouvons voir qu'il est vraiment fidèle à sa parole. Ce que le Seigneur a déclaré depuis les temps anciens, rien ne peut effacer cela, même pas les temps, même pas les hommes, même pas les lois des hommes. Ce que Dieu a déclaré reste réellement aussi ferme et cela s'accomplira certainement. Il a dit à Jérémie, « Que vois-tu donc, Jérémie ?» C'est une assurance pour nous tous. Hein. Il dit, « Je vois les branches d'amandier. » Et alors le Seigneur lui répond, « Mais tu as bien vu parce que je veille sur ma parole. » Nous sommes heureux de savoir que le Dieu qui est l'auteur de cette parole, il n'est pas mort, mais il est vivant. Amen. Et qu'il veille certainement sur sa propre parole. Et quel privilège aussi pour nous de savoir qu'il nous a donné cet héritage, en réalité de pouvoir réellement posséder cela, et que nous sachions que c'est aussi notre propriété. Ah oui, c'est tellement merveilleux de savoir que Dieu nous a aussi donné un héritage. Et puisqu'il est celui qui a fait la promesse, et nous savons aussi de tout notre cœur qu'il est aussi capable de pouvoir aussi accomplir sa promesse. Nous savons qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous nous rassemblons parce que nous avons la certitude de ces dieux en qui nous avons vraiment cru et placé notre confiance. Comme je l'ai toujours eu à pouvoir le répéter, nous devons toujours considérer que nous ne nous rassemblons pas ici comme toutes les autres églises ou religions. Parce que ceux qui s'appellent religion ou église, effectivement, n'ont pas été dans la volonté du Seigneur. Dieu a eu à pouvoir réellement rejeter, mais il s'est frayé lui-même un chemin pour qu'il puisse arriver à pouvoir se choisir un peuple avec lequel il fait l'histoire, en fait. Et nous devons être conscients que nous soupirons et implorons la grâce du Seigneur pour que nous soyons parmi ceux-là que Dieu lui-même s'est choisi et avec lequel, effectivement, le Seigneur continue la marche aujourd'hui
pour faire effectivement histoire. Ceux qui ont eu à pouvoir réellement aussi penser que, en fait, Dieu était avec eux et qu'ils ont eu à pouvoir établir effectivement leur endroit. Et comme nous pouvons le voir dans les scènes d'écriture, effectivement, Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu a continué effectivement son chemin de manière à ce que ceux qu'il a eu à pouvoir appeler puissent arriver à pouvoir s'élever et sortir effectivement lorsque l'esprit humain cherche à pouvoir maintenant établir les choses comme l'homme le souhaite. Nous connaissons le Seigneur de ce qu'il nous a accordé aussi cette grâce de pouvoir vraiment avoir les yeux ouverts pour que nous puissions voir et prendre conscience réellement que c'est Dieu qui est en action. Nous prenons dans les Saintes Écritures, au livre de Jean, au chapitre 17, que nous avons lu hier, avant-hier, je pense, ou jeudi, je suppose que cela. Nous lirons donc une portion de l'Écriture dans Jean, chapitre 17. Et cela, au verset 24, où le Seigneur dit « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Amen. Amen. Je te remercie encore ce matin, mon sauveur, pour la grâce que nous avons trouvée devant ta face, nous tenir encore ici, Père, pour pouvoir réellement te louer, te glorifier, et aussi surtout pour entendre ta parole, Père. Nous sommes un peuple que tu as mis à part et qui désire tant que tu puisses vraiment agir, Père. Puisse vraiment nous pardonner encore nos manquements, nos péchés, Père. Puisse encore inspirer, Seigneur, parce que nous avons soif de toi. Nous avons soif de Dieu vivant. De ta parole à toi qui est claire, Père puissant, et celle qui transforme aussi l'homme, Père. Nous te remercions encore pour ta bonté, ta grâce et ton amour, quand d'avoir ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dans l'écriture que nous venons de pouvoir lire, c'est tellement merveilleux de pouvoir réaliser que ces paroles sont les paroles exprimées par le Seigneur lui-même. Et comme je le disais encore, c'était dimanche, jeudi, pardon, je pense que c'est cela. Voyons quelque chose de particulier dans cela, c'est la manière dont le Seigneur, lui, a prié, exprime effectivement les choses. Vous savez, lorsque la parole, elle est écrite, et comme les Saintes Écritures le démontrent effectivement, puisque nous l'avons ici dans nos mains, et comme nous l'avons aussi eu à pouvoir s'y référer tout à l'heure avec Jérémie, dont le Seigneur a posé la question de pouvoir savoir ce qu'il voyait effectivement. Et le Seigneur lui a bien dit que je veille sur ma parole. C'est vraiment une grâce extraordinaire. Une joie, une reconnaissance à l'endroit de Dieu de ce qu'il a dit. Et non seulement il a dit cela, mais il a permis que cela soit écrit. Pour que cela puisse servir vraiment de témoignage et surtout d'un puissant reconfort pour celui qui a cru en fait. Parce que pour l'incrédule, l'incroyance, ça ne lui dit rien du tout. Mais pour toi qui as eu à pouvoir croire réellement en ce Dieu, que ce Dieu existe en réalité, que je crois que le monde n'est pas venu effectivement comme ça par l'abstrait, mais que ce monde est venu par ce Dieu qu'il a créé, et puis ce Dieu effectivement s'est aussi adressé effectivement aux hommes, et la grâce qui m'est accordée, c'est que j'ai eu à pouvoir entendre aussi la parole qui a touché mon cœur, et j'ai reconnu que ce que la Bible dit, ce que cette parole a dit, était vrai. Et là maintenant, je me positionne en tant que croyant, et non pas un incrédule. Et quand je suis maintenant croyant, c'est-à-dire que je crois maintenant en ce Dieu, et je m'attends maintenant à ce que ce Dieu me dise ce que je dois faire et comment je dois avancer. Et là maintenant, il dit ceci, il dit, mais je veille sur ma parole. Quand je peux entendre effectivement que c'est Dieu qui a eu à pouvoir parler effectivement, il n'est pas un Dieu qui est amnésique, hein, qui peut arriver à pouvoir voir ce qu'on appelle l'Alzheimer, je ne sais pas si c'est Alzheimer, est-ce qu'on appelle ça? Alzheimer, merci madame. Alzheimer. Bon, vous connaissez ce que c'est. Alzheimer, c'est difficile, parfois il y a des noms, mais Alzheimer. Okay. Comment tu dis encore? Alzheimer. Donc il n'est pas quelqu'un qui peut avoir cette maladie-là et pouvoir oublier. C'est quelqu'un qui se souvient très bien, dans le moindre détail. Parce que l'homme aujourd'hui, comme un homme, on peut être avec lui, mais il peut oublier même ce qu'il m'a dit. Et en plus, là, si cela passe des années, effectivement, il oubliera. Mais lui, il dit, je veille sur ma parole. Amen.
Alors là, je trouve un puissant reconfort Amen. Dans ce que lui, il a dit, parce qu'il veille là-dessus. Donc, pas pour l'être, mais pour moi, le croyant. Amen. Qui est trouvé effectivement, après avoir s'approché, que c'est. Je comprends effectivement que Dieu existe et que la Bible est la parole de Dieu. Et c'est Dieu maintenant me dit, mais moi ici, ne pense pas que ce que tu lis là est une histoire. Amen. Non, 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 non. Ce que tu lis depuis la Genèse là, Amen. C'est ce que j'ai déclaré et j'y veille dessus. Amen. Amen. Même si c'est des centaines d'années sont passées, je n'oublie rien. Amen. Nous devons être conscients, frères et sœurs, que nous avons une grâce extraordinaire, nous qui sommes des croyants. Amen. C'est vraiment un privilège de pouvoir réellement se tenir là, dire que oui, en tout cas, je crois. Et quand je dis je le crois parce que j'ai l'assurance que celui qui a parlé là, il a dit que je veille là-dessus. Non seulement il a dit, mais également aussi, il a prouvé qu'il est vraiment fidèle. Amen. Pas fidèle au prophète, pas fidèle au prédicateur, non. Il est fidèle à sa parole. Amen. Parce que la Bible dit que tout homme, sans exception, Amen. Tout homme, sont connus pour menteur, mais que Dieu seul sont connus pour vrai. Amen. Amen. Donc il aime être honoré. Ah, et il veille effectivement sur ce que lui, il a eu à pouvoir déclarer de sa bouche. Et c'est pour ça qu'il nous donne un témoignage, effectivement, un exemple aussi extraordinaire. Il dit, mais avez-vous déjà regardé effectivement quand la pluie tombe? Alléluia. Amen. Il dit, mais ça c'est pour marquer d'un saut, ma parole. Amen. Quand la pluie tombe, elle sera jamais au milieu. Oh, elle doit descendre, arroser, faire son travail. Amen. Il dit, il en est ainsi avec ma parole. Amen. Elle ne peut pas sortir de moi sans avoir accompli les œuvres pour lesquelles elle a été envoyée. Donc toi qui es croyant, sois sûr Amen. Que si ma parole Amen. Sort, elle doit accomplir. Amen. Rien ne peut arriver à pouvoir arrêter ce que moi j'ai déclaré. Alléluia. Alors, quelle confiance et quelle assurance, effectivement. Il a voulu que cela soit écrit pour que toi et moi, nous puissions avoir ce témoignage. Amen. Ah, mais Dieu, s'il arrivait que je puisse penser que, en tout cas, tu n'es pas un bon Dieu, mais quand je regarde, parce que tu l'as écrit, oh. C'est écrit ici, oh. Tu es censé pouvoir tenir ta promesse. Amen. Ah oui. C'est comme quand tu fais signer en fait un document de reconnaissance de la dette à quelqu'un. Vous connaissez ce que ça veut dire, non? Amen. Vous prêtez l'argent à quelqu'un, tu dis bon, tu signes, hein, tu sous-signes, M. Tel, reconnaît avoir reçu de M. Tel la somme de ceci que je dois rembourser effectivement à date de CD. Il ne peut pas nier. Et quand le temps vient, tu lui montres le papier puisque. Tu as signé, tu reconnais effectivement, et puis c'est quand même toi qui as signé ici. Donc, ta parole, ta signature, et là, tu reconnais que c'est toi qui me donnes l'argent. Puisque j'ai un témoignage. Donc, Dieu a permis pour que... Et c'est pour ça que nous devons comprendre une chose qui est très importante. Il faut que le croyant comprenne une chose, c'est que le Dieu du ciel, qui est l'auteur de sa parole, qui a parlé, que cela soit écrit effectivement... Ne cherche pas que quelqu'un lui facilite les choses. Amen. Amen. Non, Alléluia. Vous n'avez pas, vous, à faciliter. Dieu dit, bon, peut-être c'est pas, ça ne pourra pas aller dans... Non, mon frère. Puisqu'il a dit que je suis Dieu, Amen. Ton Dieu, invoque-moi dans ta détresse. Amen. Alors, moi, je suis dans une détresse. Vraiment. Seigneur, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a dit. Bon. Tu as fait de moi que je sois un fils à toi. Amen. Que je sois une fille à toi. Je suis vraiment dans la détresse. Et tu as fait écrire par les prophètes que invoque-moi dans ta détresse. Amen. Que moi je te délivrerai et tu me glorifieras. Ceci est ta parole quand même. Amen. Il n'y a pas un autre Dieu qui l'a prononcé. Amen. Tu en es l'auteur. Amen. Alors Seigneur, Alléluia. Je suis dans la détresse. Alléluia. Je t'invoque mon Dieu. Amen. Mon frère et ma soeur. Dieu du ciel, Amen. Dieu répondra. Amen. 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 Ça, c'est pour le croire.
royaume. Amen. Amen. Alléluia. Parce que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre a dit, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues. Non, non. Non, 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 non. Il dit, c'est comme ayant vu sa majesté. C'est Amen. Pas vrai? Amen. Et puis, l'apôtre Paul dit plus loin, il dit, mais nous vous déclarons ceci d'après la parole du Seigneur. Amen. Vous vous souvenez, non? Amen. Ouais. Donc, il y a un appui sur lequel le vrai croyant, le croyant doit réellement se reposer. Et c'est pourquoi l'Écriture, oh Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Dieu, que ton nom soit béni. Amen. L'Écriture, vous avez remarqué comment l'apôtre Paul disait ici, je vous rappelle, frère, que l'évangile que je vous ai annoncé, Amen. Dans lequel vous avez persévéré. Amen. Vous venez Amen. Pour autant que vous le reteniez. Tel que je vous l'ai annoncé. Amen. Parce que moi aussi, je l'ai aussi reçu comme je vous l'ai annoncé. Amen. J'ai reçu ça comme moi, regardez très bien. 1 Corinthiens chapitre 15, il dit, c'est bien. Allez, frère. 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens chapitre 15, verset. Voilà. Verset 3. Quand même, pour ce verset pas vite. Je vous rappelle donc, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, pour autant que vous le reteniez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, alléluia, Amen. Selon les Écritures. Donc, c'est tellement si important pour Dieu, l'Écriture. La parole qu'il avait pouvoir prononcer, c'est la raison pour laquelle il insistait pour que les prophètes qui annonçaient puissent mettre cela par écrit. Soit aussi un témoignage. Mon frère, dans le fond, prête attention ici devant, s'il te plaît. C'est important, parce que quand il a permis que le prophète, parce que c'est toujours nécessaire, frères et sœurs, ce que nous entendons, parce que c'est là que Dieu dépose la semence au dedans de nous. Nous grandissons dans les choses de Dieu. Il faut que nous sachions maintenant placer profondément notre confiance dans ce que Dieu nous fait savoir pour que nous puissions plus demain végéter comme des bébés. Amen. Quand il y a un problème, on entend murmurer à bouche à droite. Ceci doit cesser. Amen. Amen. Frères et sœurs, il y a un temps où nous étions des enfants. Amen. Il y a un temps où nous parlons. Maintenant, il faut un temps où nous agissons comme Amen. Des adultes. Amen. Parce qu'il faut qu'on soit des enfants. Qui ont un caractère, qui savent effectivement où est-ce qu'ils en sont dans le cadre des choses qui concernent Dieu, en ce qui concerne. Donc, on avait dit, il a dit. Il dit, verset 4, il dit, il a été enseveli. 1 Corinthiens 15, 4. Il a été enseveli. Vous suivez? Amen. Et il est ressuscité le troisième jour. Selon. Alléluia. Amen. Oh oui, mon frère. Donc ce que je tiens dans mes mains n'est pas une chose à prendre à la légère. C'est tellement d'une importance capitale pour Dieu, parce que c'est ce qui est écrit ici, effectivement, qui régit en fait le monde dans lequel nous nous trouvons. Amen. Tout le système que vous voyez, tout ce qui se passe, effectivement, le soleil qui se lève et qui se couche, c'est parce que la Bible l'a dit. Amen. Les civilisations qui apparaissent, partent et qui disparaissent et qui reviennent. La Bible l'a dit. Amen. Vous vous souvenez, non? Amen. La bête, elle était, elle n'était plus, elle réapparaîtra. C'était écrit, non? Amen. C'était écrit, non? Amen. Vous vous souvenez, non? Amen. Chapitre 10 d'Apocalypse, c'est écrit ainsi. C'est ce que nous voyons, non? Amen. Donc, Dieu du ciel veille à ce que le croyant puisse arriver à pouvoir trouver puissant au pouvoir. Dans la chose dont il a vraiment
la certitude de pouvoir tenir et dire, ça, c'est vraiment ce que toi, tu as eu à pouvoir dire. C'est quand même merveilleux, ça, oui. Parce que le croyant est celui qui a tendance à pouvoir toujours prendre Dieu à sa propre parole. Amen. Je crois dans un psaume, il nous dit effectivement que quand le monde est bouleversé, les montagnes chancelent, nous sommes sans crainte. Amen. Et puis quelque part, dans cette écriture, il dit, mais le juste, lui, il ne craint pas les mauvais. Amen. Parce que son cœur est confiant en son Dieu. Amen. Pourquoi est-ce que son cœur est confiant en son Dieu? C'est comme les Saintes Écritures le montrent effectivement quand il parle d'Abraham. La Bible dit qu'il ne considéra point que son corps était déjà usé. C'est extraordinaire, non? Amen. Un homme comme vous et moi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, mais ayant une pleine conviction que ce qu'il promet, c'est-à-dire qu'il avait déjà dit quelque chose. Amen. Donc l'homme, Abraham, avait eu donc la parole sur laquelle il pouvait s'accrocher. Oh frère, nous connaissons, je vous en prie, prêtez attention. L'homme Abraham avait eu cette parole et qui était donc la parole sortie de la bouche de Dieu, que nous avons lu avec vous, connaissez. Et la Bible dit que lorsque même son corps lui montrait le contraire, Abraham ne voyait pas le contraire de son corps. C'est-à-dire que même quand il montait avec son fils Isaac, alors qu'on lui a dit clairement que « Viens mon fils, cet enfant », il se souvient de la parole de Dieu. Oh, je dis, il dit, mais Anissa, amen. Sera nommé pour toi une postérité. Amen. Je veux que vous prêtiez attention, frère, ça, parce que croire en Dieu n'est pas en fait historique, en fait, cette manière, ou bien avec des involtures, ou dit, bon, je suis un croyant. Non, je l'ai toujours répété, c'est encore plus profond que cela. Regardez une chose. Comment pouvez-vous m'expliquer, frères et sœurs, qu'un homme construit comme vous et moi, avec la même capacité humaine, il entend bien, on lui dit, viens m'offrir ton fils, il monte avec lui. Et ce qui est quand même touchant, c'est de voir que, là, ça me touche toujours quand je vois cet homme, de voir que cet homme a vraiment pris le couteau, si c'était la comédie, il n'allait pas le prendre quand même. Il a pris le couteau, il a pris le feu, il a vu toute la corde, effectivement, tout ce qui est nécessaire. Et il monte avec son enfant. Et quand l'enfant lui pose la question, il dit à son enfant, l'Éternel c'est pour moi. Amen. Ça vous savez. Amen. Ce qui est encore particulier avec lui, c'est que, avant de monter à la montagne avec l'enfant pour aller offrir, il dit aux gens qui étaient venus avec lui, ses invités, il dit, mais moi et l'enfant, nous montons là-bas. Nous montons pour aller adorer. Frères et sœurs, c'est vrai qu'à force d'écouter, c'est devenu comme une histoire. J'ai toujours dit, mettez-vous dans la peau d'Abraham. Entrez dans cette peau-là. Il dit, mais nous allons monter là pour adorer Dieu. Moi, il a signifié, moi et l'enfant, nous reviendrons ici. Pourquoi Abraham a eu à pouvoir dire cela? La Bible dit que, quand Abraham disait qu'il montait, il savait une chose. Lorsqu'il montait avec l'enfant, déjà quand il était là avec ses serviteurs et l'enfant, Abraham était sûr et certain d'une chose, c'était quoi? C'est qu'avec lui et l'enfant, ils vont partir, avec lui et l'enfant, ils vont revenir. Mais pourquoi vont-ils revenir? Il dit, mais oui, je sais que je vais mettre le couteau, je vais tuer mon fils. Il était sûr et certain que lui, Abraham, il allait tuer Isaac. Mais il savait une chose, il dit, même si je le tue, il va mourir. Mais Dieu du ciel va le ressusciter. Amen. Abraham croyait en la puissance de Dieu. Amen. Dans la résurrection. Amen. Amen. Frère, il faut qu'il y ait quelque chose. Amen. Qui soit plus profond que ce qu'on peut mener comme foi. Déjà là, ça, au bas de la montagne, avant de monter, il dit, moi et l'enfant, nous partons. Vous avez déjà lu ça, non? Amen. Qui n'a pas encore lu? Qui n'a pas? Ah, tout le monde a déjà lu, non? Amen.
C'est Genèse 22. Moi et l'enfant, nous montons pour aller adorer là-bas, avec les boutons, avec le feu, avec la corde, effectivement. Et vous avez vu comment il a fait. Il a étalé son fils là avec la corde, et a pris le couteau, levant le couteau, que soit béni. Il prend vraiment son couteau, il lève la main, il va enfoncer dans Isaac son propre fils. Là en bas, il a dit, je reviendrai avec mon fils. Mon frère et ma soeur, ta foi à toi, un pouvoir extraordinaire. Alléluia. Parce que le Seigneur a dit, si votre foi est comme un grain de sénévé, vous n'irez à cette montagne. Entre toi là, la montagne de l'Empire. La foi que toi tu as. C'est la vérité. C'est la vérité, mon bénévole. C'est 100% vrai. Parce que c'est cette foi-là, ma soeur, mon frère, qui fera qu'il y ait un changement en toi pour revêtir cette nature. Oui, mon frère. Parce que sans cette foi, rien ne va se passer. Amen. Il faut plus que cela, mon frère. Alléluia. Une telle confiance, une telle assurance que tu regardes effectivement, tu regardes la chose, tu vois rien d'autre. Rien d'autre. Ça, c'est lorsque le Fils arrive à poser le Fils. Tu ne vois rien d'autre que ce que ton Dieu à toi a dit. Amen. Donc, tout ce qui est contraire à ce que Dieu a dit n'existe pas. Amen. Amen. Ya, mon frère, ma soeur. C'est sûr et certain. Je veux que vous prêtiez attention. Quand la parole sort de la bouche de Dieu, le croyant s'y accroche. Parce que Dieu lui a donné des assurances et des certitudes qu'effectivement, quoi? Ah! La parole qui est sortie de ma bouche, elle ne pourra jamais rentrer en moi sans avoir accompli les desseins pour lesquels elle a été donc envoyée. Oh! C'est une grâce. Être un croyant, c'est une grande bénédiction. Amen. Dans un monde comme celui-ci, où l'incrédulité bat son plein, où on fait tout, effectivement, pour que l'homme ne puisse pas attraper avec le sceau de Dieu, on a multiplié tout un tas de choses. En plus, que la technologie est tellement... vous avez un niveau tellement si élevé que l'homme, son esprit, est constamment occupé par des choses. Mais sinon, c'est... Dans cette génération ici, où effectivement, il faut de vrais croyants. Alors que dans une génération comme celui-ci, effectivement, on a parlé de ce qu'on appelle l'émancipation des femmes qui sont devenues effectivement aujourd'hui, qui peuvent. En fait, aujourd'hui, c'est plutôt la femme qui est la tête que l'homme soit la tête. C'est renversé, en fait. Dans une génération comme celle-ci, effectivement, il y a plus de droits aux femmes que les hommes. Dans un temps comme celui-ci, effectivement, on dit aux femmes, à la maison, il y a deux têtes. Toi, tu as la tête et l'homme aussi la tête. Mais oui. Chef de famille, tu es chef de famille, il est chef de famille aussi. Vous êtes tous les deux chefs de famille. C'est dans cette génération que Dieu dit. Alors là, femme, soyez soumise à vos maris. Alors là, monsieur, c'est pas possible. Tu sors d'où? De la caverne ou de la jungle, je sais pas moi, de quel contrée pour nous dire nous, femmes évoluées dans un monde évolué comme celui-ci, que nous, femmes, on doit se soumettre aux autres. Et la femme doit se soumettre à son mari, effectivement. Alors, je suis bourgmestre, je ne sais pas quoi, je vais me soumettre à mon mari. Chef, directeur, je ne sais pas de qui je parle, et puis me soumettre à mon mari. Mais non, d'ailleurs, depuis que je suis devenu directrice, je ne suis pas moi chef de quoi, je ne fais plus la cuisine. Hein. Tu me vois là, en étant un peu même maintenant, non, ma cuisine. Non, je cherche d'abord une dame qui doit d'abord faire le ménage. C'est la première chose. Parce que l'aspirateur, je n'ai pas le temps, je suis les dossiers. Allô, oui, on va l'aider. Oui, j'arrive dans le domaine de la maison, pas plus tôt. Il faut un cuisinier, je ne sais pas moi, mais c'est l'homme qui devait cuisiner à ce moment. Ça
refusqué. Vous savez, toujours, on veut toujours discuter. Oui, frère, mais quand même, dans cette condition. Moi, je n'ai pas à pouvoir expliquer quoi que ce soit. Parce que la Bible dit, femme, soyez soumise à vos maris. Et il a dit, femme, soyez soumise à vos maris en toutes choses. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. C'est ce que la Bible dit. Amen. Et ça, c'est là la confusion vient. Ça n'a jamais été une obligation que Dieu dit, tu dois. Non. Ma soeur, madame, mademoiselle, monsieur, parce qu'il y en a beaucoup qui vous disent, mais Dieu ne vous a jamais obligé de vous soumettre à un homme. Amen. Non. Alléluia. Non, Dieu, d'ailleurs, je vous dis, il n'y a pas d'obligation. Non. Qu'est-ce qui se passe, effectivement? Il se passe que ce que la parole de Dieu, quand elle vient dans l'homme ou dans la femme, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Lorsqu'on a eu à faire des mélanges, effectivement, la parole vient trier. Amen. Il positionne la femme à sa place, Amen. L'homme à sa place. Amen. Et la femme devient naturellement femme. Amen. Alléluia. Amen. Elle n'est plus masculine, non. Elle devient femme, femme. Amen. Et l'homme devient homme. Amen. On ne fabrique rien, on se dit, c'est tout à fait normal, puisque la Bible a dit que ça soit ainsi. C'est la parole qui a dit. Amen. Et quand moi je vois la parole, je suis un homme, j'ai la place de l'homme. Amen. Je suis une femme, j'ai la place de femme. Amen. Mais c'est quand je n'ai pas vu la parole que je discuterai. Amen. Est-ce qu'ils n'ont pas encore trouvé la place en moi? Amen. Oui. Quand la place a été. Parce que c'est elle qui nous ramène la position. Elle nous positionne, elle nous restaure. Parce qu'on nous a fait tout un tas de choses avec les naissances, on a mélangé avec des choses qu'on a appris, oui, et révolution, des balances, et papy, les femmes étaient à l'époque, c'était très joli, les femmes. Vous avez remarqué, non, dans les années, oh, ça a été par ça, par là, effectivement, ils avaient des longs jeux. Amen. On ne voyait pas une femme qui montait à cheval, les jambes écartées comme ça. Vraiment. Non, on voit une femme qui s'assied comme ça. Vous la connaissez, non? Amen. Bon, vous connaissez la reine d'Angleterre. Mm-hmm. Vous avez vu quand même comment elle montait à cheval, non? Mm-hmm. La reine est assise comme ça. Et c'est... Oui, vous ne l'avez pas vu. C'est... Oui, c'est et assise comme ça en tant que reine. Elle est passée au cheval comme ça. Mm-hmm. Aujourd'hui, non, on enjambe. On en... Puis c'est pas bon pour les dames. Mm-hmm. Bon, je n'ai pas à faire tout ça. C'est trop droit. Enfin, pas la place. C'est vrai. Oh, mais monsieur, tu es dérangé. Il n'y a pas de problème. Non, quand Dieu dit quelque chose dans sa parole, le croyant trouve un puissant encouragement. Amen. Parce qu'il sait qu'effectivement, que, donc comme l'avons entendu, effectivement, que, et invoque-moi dans ta détresse. Amen. Si ça n'était pas écrit, je n'aurais pas pu le faire. Amen. Mais puisque je vois que cela est écrit, j'ai dit, mais je suis dans la détresse, mais je me souviens. Alléluia. Que c'est Dieu en qui j'écris aujourd'hui, m'a dit ceci. Parce que quand je deviens croyant, les Écritures deviennent ma propriété aussi. Amen. Amen. Ah oui, je prends ce que Dieu m'a donné. Amen. Alors maintenant, il me dit, mais invoque-moi dans ta détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. Mais c'est sûr et certain, mon frère. Je ne lâcherai pas Dieu tant que ma situation ne sera pas changée. Il y a de vrais croyants comme Jacob. Amen. Ah oui, frère. Jacob a lutté avec l'ange ici à cause de lui. Lâche-moi dire. Ah, non. Moi, je ne veux pas te lâcher. Amen. Alléluia. Jusqu'à ce que. Ah, tu me donnes ta bénédiction. Amen. Parce que si toi tu ne bénis pas là-bas devant, je meurs. Oui, c'est vrai. Je suis un certain. Ah oui. Et c'est ça. Et c'est quand même. C'est important pour nous de pouvoir réaliser la grâce que Dieu nous a accordée. Et savoir que quand c'est écrit, Dieu te donne en fait un appui. Amen. Toi en tant que croyant, sur lequel que même si la tristesse venait de pouvoir te frapper. Alléluia. Il y a un réconfort quelque part. Amen. C'est pourquoi il a dit. Josué, mon serviteur. Après Moïse, c'était plus toi. Vous savez, non? Ça,
La succession de ministères, c'est dans l'Ancien Testament. Amen. Vous vous souvenez encore? Amen. Ne venez pas dans le Nouveau Testament avec ça. Non. Donc, il dit, mais voici, il dit, mais tout lieu qui frappe le nouveau pays, je vous dis, mais toi, pour réussir dans cette vie, médite quoi? Amen. Garde ça. Ah, médite ma parole jour et nuit. Quand tu es dans une situation difficile, assieds-toi. Amen. Prends la Bible, mon frère. Amen. Après avoir prié, le Seigneur, maintenant conduis-moi. Il va te faire lire. Il voit l'écriture qui prend vie pour toi. Il te dit, mais c'est de toi dont je parle. Tu as un problème, voici la solution. Dans les scènes, je dis, mais Seigneur, tu avais donc écrit ça. Oh, je m'accroche à ça. Alléluia. Oh oui, mon frère. Oui, ma soeur. Amen. Le Seigneur, notre Dieu, nous a donné un trésor extraordinaire. Amen. Satan, notre adversaire, vraiment, il a peur d'une chose. Vous savez ce que c'est? Amen. C'est la vérité, en fait. Amen. Et ça, c'est pourquoi, vous remarquerez très bien, chaque fois que nous sommes là, on dit toujours, prêtez attention, parce que il est le maître de la distraction. Amen. C'est la vérité, frère. Vous le savez, depuis l'année, on est là. Il est le maître. Vous êtes là. Dieu sait que vous avez des problèmes. Vraiment. Mais Dieu ne peut pas refuser de vous aider, mon frère. Il est là parce qu'il est Dieu et il veut te soutenir, t'aider. Amen. Mais pendant aussi longtemps que tu es assis, effectivement, Satan sait que si tu prêtes attention, tu vas avoir la victoire. Amen. Et il sera vaincu. Vraiment. Mais il ne va pas te laisser. Il va te distraire, tu es là en train de regarder, il te fait penser, oh, amen, qu'ils avaient la viande, effectivement. Amen. Si tu avais les enfants, qu'est-ce qu'ils vont manger après? Oh, si tu t'avais contrôlé, si tu sortais, oh, pour beaucoup de choses. Alors que tu as un problème. Amen. Aussi longtemps que tu prends attention, effectivement, il est content. Parce que ses démons s'accrochent à toi. Amen. Il va te mettre quoi? Et c'est patience. Lève-toi, va sortir, regardez très bien. C'est toujours comme ça. Lève-toi, va sortir. Quand tu sors, tu l'as. C'était au moment où Dieu voulait te parler. C'est vrai, oui. Il va te faire bloquer. Tu vas faire mal. Il arrive là. Mais qu'est-ce que tu veux faire dehors? C'est tu veux faire quoi ici encore? Oh, 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 et puis tu rentres, t'es passé. Donc, Satan est très rusé. Et pourquoi? Le Seigneur dit dans Matthieu, je pense, au chapitre 13, je suppose que c'est là, où le semeur reste allé pour semer. J'aime cette parole, effectivement, lise-la. Enfin, mais vous avez remarqué comment il a expliqué. Il dit, mais quand quelqu'un entend la parole, il a compris, le malin vient pour faire quoi? Il vient pour enlever, de peur que la personne ne croit et ne soit sauvée. Sûr et certain, mon frère. Donc, il a dit, médite ma parole. Jour et nuit, c'est ainsi que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Alléluia. Oh, oh. Vous savez, je reviens dans Jean 17, c'est merveilleux. Dieu a une façon de montrer aux croyants, et quand le croyant arrive à pouvoir réellement atteindre ce stade de confiance, amen, alors il sait une chose, que tout est possible. Amen. Amen. Mais c'est vrai, parce que vous remarquez très bien que quand même le Seigneur était sur la terre, quand il est venu devant la tombe de Lazare, chose impossible. Chose impossible. Chose impossible. Amen. Mais il savait que Lazare allait sortir. Amen. Pourquoi était-il sûr que Lazare allait sortir de la tombe? Vous savez pourquoi? C'est exactement la même chose que Abraham était sûr qu'Isaac allait sortir. Amen. Il avait dit lui-même, il dit, mais cette maladie est pour la gloire de Dieu. Si ce n'était pas ici, il n'allait pas descendre. Mais il savait très bien ce qu'il allait se passer là. C'est ça, la relation qu'il y a entre le croyant et Dieu, et il doit prendre Dieu au mot. Il aurait dit, je veux revenir, il est bien. Vous savez, quand dans Marc chapitre 23, 24, je pense, effectivement, celui des disciples qui venaient de Maïs, effectivement, il était matitrisé, mais vous êtes tellement, vous êtes de quoi vous entretenez-vous en étant si triste? Vous ce qu'ils ont répondu? Mais tu es le seul ici séjournant à Jérusalem, ne sachant pas ce qui s'est passé. Il s'agit de ce Jésus, hein, et nous espérions, hein, parce que c'était lui en fait.
te voilà maintenant, c'est le troisième jour qu'il est mort, et puis quelques femmes d'entre nous, puis ils sont des femmes. Dieu sait confondre les hommes. Amen. Elles sont venues nous dire que, mais ils sont partis là-bas, on ne sait plus, ils n'ont pas trouvé qu'il est ressuscité. On a dit qu'ils ont un problème. Parce que c'était des femmes. Et puis ils disent encore que nous, en plus nous avons envoyé des frères pour aller vérifier. Parce que vous savez, quand les femmes parlent, ben, c'était Dieu qui a utilisé ça. Amen. Et les frères sont partis, mais ils ont trouvé des choses ainsi. Mais quand c'était les femmes qui l'avaient dit, eh ben, on n'a pas cru. Vous avez connu vu les réactions, non? Amen. Les femmes. Mais c'était des sœurs. Qui aimait. Vous savez, je vous dis, Dieu d'Abraham, que Dieu bénisse ses soeurs. Amen. Quel amour, mon frère. Je n'ai pas vu ça. Pierre a dit, mais où tu iras? J'ai dit, mais là, au tombeau, il n'était plus là, Pierre. Amen. Les soeurs n'ont pas eu peur des gardes, effectivement. Et se sont levées, même en étant trouvées. Elle dit, mais on n'a pas vu son corps. Mais dit, mais rendez-nous son corps, frère. Il faut aimer. Amen. Alléluia. Donc, mon frère et ma soeur, c'est très touchant de voir. C'est un amour tout à fait extraordinaire. Amen. Même les corps morts, ils sont allés. C'est pour dire que même de son vivant, ils l'ont aimé. Amen. Jusqu'à sa mort, ils l'ont toujours aimé. Amen. Eh oui. Merveilleux. Puis qu'est-ce qu'il leur a dit? Marc 24, nous disons avec vous. Je pense que c'est cela. Ils lui répondirent donc, Luc 24, verset 19, ils lui répondirent, mais ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment le principal sacrificateur et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions, amen, que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont donc passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Fort étonnés, en fait. Ils sont venus avec nous et disent, nous ont fort étonnés. Ils ont fort étonnés, s'étant rendus de grand matin, on ne sait plus. J'aime Dieu, il les regardait comme ça, il les écoutait simplement, comment ils parlaient. Et n'ayant pas trouvé son corps, ils sont venus dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Et le Seigneur les écoutait. Et les anges les ont apparus depuis. C'est comme ça que la plupart des gens, comme je disais sur eux-mêmes aujourd'hui, quand quelqu'un a une expérience que l'ange du Seigneur lui est apparu, que ce soit une soeur ou un frère, on dit non, c'est pas possible, ça ne peut pas, il faut que ce soit au souverain sacrificateur. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est cela qu'on réalise qu'effectivement, que lorsque on abandonne vraiment la voie de Dieu et on s'attache effectivement à des histoires, des fables, on voit plus tellement clair ce que Dieu est en train de pouvoir faire. Chaque frère et chaque sœur, n'est-ce pas d'abord? C'est parce que il faut qu'on revienne toujours aux choses saintes. Mm-hmm. Le Saint Écriture en soi, ne dites pas que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les créent. Est-ce qu'on a fait la différence entre hommes et femmes? Non. Monsieur. Non. Toi, sœur, toi, frère, quand tu crois à ta cause, l'ange de l'Éternel est là. Il peut t'apparaître aussi. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen, alléluia. Si vous ne le croyez pas, il ne fera jamais rien. Amen. Mais c'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui le dit. Amen. Alors le Seigneur leur dit. Oui, verset 24. Oui, verset 24. Je vous lis verset 23. Dit,
Verset 23. Et n'ayant pas trouvé son corps, ils sont revenus dire que les anges leur sont apparus, ils ont annoncé qu'ils étaient vivants. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé des choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Verset 25. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce que ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Vous suivez avec moi? Amen. Le verset 27, il dit, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Toujours dans toutes les Écritures, mon frère et mes sœurs, leur montrant effectivement que ce que Dieu a eu à pouvoir déclarer devait être la chose sur laquelle votre cœur et votre foi devaient s'appuyer. Alors que pendant qu'il était vivant, il répétait cela. Il répétait en disant que je ressusciterai le troisième jour. Il avait dit, il le répétait. Mais il écoutait, il le regardait, mais il ne prêtait pas attention. Mais pourtant, on disait effectivement que la chose sera. Il ne croyait même peut-être pas qu'il allait pour moi mourir, effectivement. Mais il dit, mais non, il faut que les grains doivent tomber dans la tête. Vous vous souvenez, non? Amen. Et là, nous remarquons que le Seigneur a insisté pour quoi nous puissions certainement réaliser l'importance de la chose qui est écrite. Maintenant, revenons dans Jean 17. Regardez. Jean chapitre 17. Le verset 24. Regardez, frères. Il se tient debout. Il brille. Dans sa prière, écoutez bien, frère, Père, parce que vous vous poserez la question de pouvoir savoir pourquoi est-ce qu'il a prié ainsi. Savons une chose, que les saintes écritures disent que mes paroles sont esprit et vie. N'est-ce pas vrai? Amen. Et les Écritures nous a aussi montré que les Églises qui étaient l'homme étaient la parole de Dieu prêchée. N'est-ce pas vrai? C'est-à-dire que lorsque il exprimait quelque chose, la chose devait se faire. Est-ce que vous suivez? Bon. Je veux que vous compreniez ici. Qu'est-ce que c'est qu'une parole? La parole est une pensée exprimée. Aussi longtemps qu'elle n'est pas exprimée, vous suivez? Elle n'a pas d'effet. Vous pouvez être là, vous avez votre pensée en vous, elle n'a aucun pouvoir. Son pouvoir se manifeste lorsque vous l'exprimez. Amen. Prenez exemple. Bon. Si Dieu n'avait dit que la lumière soit, il n'y aurait jamais de lumière. Bien qu'il savait que c'était important, bien qu'il est gardé en lui, vous n'aurez jamais vu la lumière. Les ténèbres seraient toujours là, les causes remettent. Aussi longtemps qu'il avait rien dit, rien ne s'est passé. Même bien qu'il. Prêtez attention, s'il vous plaît. Bien qu'il avait ça en lui, rien n'allait se passer. Mais c'est quand il a prononcé la parole qu'il est sorti, la puissance se manifestait. Amen. Il dit, la chose arrive. S'il dit rien, rien ne va se passer. Amen. Donc la puissance est dans la parole exprimée. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Et ici, qu'est-ce qu'il a dit? Père, je veux que là où je suis, que ce que tu m'as donné soit aussi. Amen. Amen. S'il ne l'avait pas dit, tu n'y serais jamais. Amen. Ah oui, mon frère, parce que ça, c'était en lui. Mais pour que toi, maintenant,
tu reviens, que tu sois là où il est, il fallait que la parole s'accomplisse. Il fallait que la parole soit exprimée. Amen. Là où je suis. Écoutez bien, frère. Parce que, frère et soeur, cette parole qui est exprimée n'est pas une chose simple, mon frère. N'est pas une chose. C'est là que vous devez vraiment prêter attention quand vous regardez et vous me regardez. Prêtez attention, frère, ce n'est pas une chose simple. Et il dit, là où je suis, frère. Quand nous pouvons considérer les choses, effectivement, quand nous regardons selon les saintes écritures, nous qui avons la grâce de connaître effectivement les mystères, nous savons quand même qui est Jésus le Christ. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous savez qui il est, non? Amen. Bon. Et toi, mon frère, et toi, ma soeur, tu sais qui tu es? Amen. Tu sais quand même que sous cette terre, qui tu es? Nous sommes tous des ramassis, vous le savez. Amen. Chacun de nous, vous vous connaissez aussi mauvais que nous sommes, vous le savez. Amen. Vous connaissez quand même. Amen. Chacun se connaît, mon frère. Amen. Et là, il dit, là où moi, je suis. Je le dis encore. Hein? Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, soit aussi avec moi. Amen. Et quand il priait ainsi, mon frère et ma soeur, et sa prière s'adressait à Dieu pour qui? Mais pour les disciples, non? Vous l'avez lu avec moi, je crois, dans Jean chapitre 17, verset 1 et 3, il dit, mais ils étaient à toi. Ah ouais? Vous vous souvenez, non? Parlant de ceux qui étaient restés avec lui, Judas était parti parce qu'il a dit, mais je vais garder ce que tu m'as donné. Aucun d'eux ne s'est perdu. N'est-ce pas vrai? Amen. Sinon, le fils de la perdition, enfin que l'écriture soit accomplie. Vous vous souvenez? Amen. Et voilà qu'elle pria, effectivement, elle dit, Père, je veux que là où je suis, là où moi je suis, que ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Vous entendez cela? Amen. Si vous regardez bien dans les Saintes Écritures, mon frère et ma soeur, parce que vous pouvez voir, dites, hop, de toute façon, est-ce que ça pouvait être autrement, c'est acquis. Ah. Si vous allez dans le livre d'Apocalypse, vous pouvez voir effectivement des groupes de gens qui sont montrés dans les Saintes Écritures, qui sont aussi des croyants. Qui ont été des croyants comme vous, qui ont aussi cru aussi comme vous. Je vais donner juste un exemple. Si vous remarquez dans Matthieu chapitre 25, vous vous souvenez? Matthieu 25, vous vous souvenez? Amen. Il y avait combien de vierges? C'était 10 vierges, non? Vous avez bien entendu? Amen. 10 vierges. Donc c'était des gens qui, effectivement, n'avaient pas eu à pouvoir avoir quoi que ce soit, qui soit à pouvoir mêler avec quoi que ce soit, mais simplement nettoyer le curé. Et bien, pourquoi qu'est-ce qu'ils avaient? La lampe. N'est-ce pas vrai? Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. La lampe, c'est la parole de Dieu. Amen. Et cette lampe, effectivement, n'était pas éteinte. Elle avait la lumière. Pensez, frère, dans cette écriture. Ils avaient, tous avaient les lumières, effectivement. L'ange avait les lumières. N'est-ce pas vrai? Amen. Ils sont partis où? À la rencontre de l'époux. Amen. Suivez, ma soeur. Suivez. Ne dormez pas ici. Ne prenez pas votre temps ici. Je vous ai toujours dit, effectivement, dites pas, je vais présent, ma présence, ça ne sert à rien. Si tu ne fais pas attention, le jour où tu vas mourir, tu vas regretter. Vous ne direz jamais, Seigneur, nous ne savions pas. Vous savez, nous avions des frères, nous avions des sœurs ici, qui étaient assis ici dans cet endroit, qui écoutaient la parole prêchée à cet endroit. Ils ne sont plus ici. Hein. Ne rêvez pas, frères et sœurs. Oui, ces sœurs, vous connaissez, non? Ils étaient assises là. Amen. Si les frères étaient, ils écoutaient comme, ils ont la même voix que vous entendez. Ils pouvaient penser qu'ils vont être avec nous pendant cette année, non? Mais ils sont partis.
personne ne pourra dire que je n'ai pas entendu, je n'ai pas écouté, je ne savais pas, parce que Dieu permet que la parole soit prêchée, hein, évidemment, non seulement à nous qui sommes assis ici, mais aussi à ceux qui, de loin, sur les internets, qui écoutent, effectivement. Pensez-vous que c'est par hasard que le Seigneur, je vous l'ai dit l'autre fois ici, le nombre de pays, non? Pensez-vous que c'est par hasard que le Seigneur a permis que ici, la prédication aille loin, dans laquelle vous êtes presque ici, qu'il y ait le parlement, les gens écoutent? C'est pas par hasard. Hein. C'est aussi les jugements pour ceux qui écoutent. On doit arriver à pouvoir comprendre effectivement où est-ce qu'ils nous en sont. Donc, ils ont donc sorti effectivement 500. Je pense que les folles ne pensaient pas qu'ils étaient folles. Amen. Non, parce que, étant donné, nous avons aussi la même lampe aussi autour de cette immaculée. Et ça n'en est pas compte qu'elles étaient folles. C'est parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est lui, très bien, quelqu'un qui n'écoute pas la réprimande. Qui refuse, qui détourne l'oreille de pouvoir écouter la réprimande. C'est ce que la Bible dit, non? 2 Timothée 4. Il dit Timothée, mon enfant, prêche la parole. En toute occasion, favorable ou non favorable, réprends sans surexhorter. Car il y aura un temps où les hommes ne supporteront plus la scène de paix. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se tourneront leur vers les hommes. Tout se tourner vers les femmes. C'est ça le problème. Je veux que vous compreniez, frères et sœurs, que pour que la chose arrive, il faut d'abord que Dieu l'ait dit. Si Dieu n'a rien dit, rien ne va se faire. Amen. Même pour que toi, tu ailles au ciel, il faut que Dieu l'ait dit. Si Dieu l'a dit, il va accomplir ce qu'il a dit. Si rien n'a été dit, rien ne va se passer. Amen. Frère, c'est pour ça, ces livres que nous avons, c'est tellement d'une importance capitale. C'est pas pour rien, mon frère, que Dieu a permis que cela soit écrit. Parce qu'il n'accomplira que ça. Pas pour toute chose. L'homme sur la terre a un privilège extraordinaire. Dieu a donné le plus beau, le plus grand, la plus grande richesse à l'homme, mais dans une... Vous savez, comment dirais-je? Pas dans une boîte, mais dans un récipient qui ne convient pas à la conception de l'homme. Vous me regardez, vous dites, mais qu'est-ce que c'est vrai? Vous voyez aujourd'hui la bataille qu'il y a chez les pharmaciens, enfin, chez les industries pharmaceutiques avec les hommes et les femmes, c'est quoi? Chercher toujours des produits pour devenir jeune. Amen. Qu'est-ce qu'on n'investit pas dans les millions? Amen. Dans les milliards. Pour que tu mets une goutte là, tu frottes, la peau qui est comme ça, puis de devenir comme ça. Les autres vont jusqu'à se faire injecter des seringues. Dans le corps, effectivement. Mais après, vous avez des problèmes de santé, vous rendez pas compte. Hein? Amen. Comment vous voulez vous faire injecter? J'ai entendu encore des choses horribles. Ça, c'est les hommes, pas les femmes. Avec comme, mais quand un homme il est un peu comme ça, il dit à la femme, la première, il faut que je puisse avoir, avec une torse aussi grande, des muscles comme ça. Là, vous les voyez dans les grands, beaucoup de salles de gym. Pourquoi? Parce qu'il veut que quand il passe, il a les... Si Dieu ne vous a pas donné ça, soyez ce que vous êtes. Amen. Il y en a qui vont avaler des comprimés. Et puis tu as fait. Et puis, même s'il n'a rien contre à faire. Mais tout ça, c'est pour les femmes. Hein. Quand ils passent du côté des jeunes filles. Hein. On regarde, mais il n'y a rien ici. Il n'y a rien là. Je vois que les sœurs se moquent parfois. Je suis contre la vie. Qu'est-ce que tu as? Tu n'es pas, quand Dieu t'a pas construit comme ça, reste normal. Amen. Alors j'ai entendu que en Amérique latine, il y en a des jeunes hommes parce qu'ils voulaient tellement. J'ai dit, Seigneur, il faut être malade. Et on leur a dit, mais si vous prenez l'huile de moteur, dans des sirènes, et vous injectez, eh bien ça va gonfler. Et ils l'ont fait. Vraiment.
Mais maintenant, quand ils ont fait le nœud de moteur, qu'ils ont éjecté, la boule est faite comme ça, joue, et puis boule là. Vous savez, c'est horrible. Je vous dis, c'est vrai ce que je vous dis. Non, au lieu des boules, enfin, parce qu'un homme a des biceps comme ça, c'est normal. Mais eux, ça fait une boule là, comme ça, puis une boule ici en dessous. Ici, c'est mince. Parce qu'ils se sont injectés des cerveaux. Bon, vous dites qu'effectivement, que l'homme cherche pas tous les moyens pour pouvoir avoir une vie longtemps, pour mourir, effectivement, parce qu'on parle en faisant des autres systèmes de pouvoir, on va congeler les corps pour ce qu'on va retrouver. Mais il ne faut pas aller là. Ici, là, ma Bible, ici. Amen. Il est écrit qu'enfin, que quiconque croit en lui. Amen. Ne périsse au point, Amen. Mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu donne la vie éternelle. Amen. Amen. Frère, mon frère et ma soeur, ça vous paraît bizarre, mais vous n'avez pas besoin de botox, comme je l'entends pour voir, il va. Oui, soignez-vous, ce n'est pas un problème. Soignez-vous, il ne faut pas aller gratter la peau, mais soignez-vous. Normal, vous n'avez pas besoin de botox. Pour arriver à pouvoir faire tout ça, parfois ça vous force, ça rend difforme. Quand j'ai mis, je suis devenu difforme. Je prie Dieu que mes soeurs ne touchent pas à ces choses. Amen. 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 Évidemment, on prie ça. Ceux qui sortent, effectivement, ils vont regarder dans les vitrines, ils vont voir les autres. Oh, j'ai vu tel, il était comme ça, il a fait, on a tiré, je vais aussi tirer. Ma soeur, ne va pas dans cette voie. Alléluia. Parce qu'il est Dieu qui t'a créé. Alléluia. Il a la capacité. Amen. Vous savez ce que j'ai entendu? J'ai entendu que vous savez pourquoi il y a des rides à ce moment-là? Rides, moi jamais. Hein. C'est normal parce que je suis toujours comme ça en fond. Ah oui, c'est ça. Oui, là, maintenant, c'est normal. C'est normal. Ah oui. Je ne vais pas devenir la rousseur moitié. Je trouve, je vieillis. Bon, regardez une chose. Alors on dit, pourquoi la peau vieillit, effectivement, ce que j'ai entendu, je l'ai dit, c'est parce qu'elle devient beaucoup plus sèche. C'est-à-dire que. Elle n'est plus irriguée, en fait, elle n'a plus d'eau en fait, dans la peau. Alors à ce moment-là, elle dessèche parce qu'elle a soif. Donc elle devient sèche. Et quand les jeunes filles, vous savez, les jeunes filles, jusqu'à 25 ans, je ne sais pas, la peau est encore petite, limite. Et puis je dis aussi, vous qui êtes jeunes filles, puisque Dieu vous donne la peau qui est encore bien, si vous commencez avec des choses, alors que vous êtes jeune, votre peau est bien soignée, là simplement. Mais en faisant des traitements à gauche et à droite, en faisant si je ne sais pas moi comment elle mettait, elle va vieillir vite. Oui, c'est vrai. Tout excès nuit. Amen. Oh frère, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as avec nous? Je ne sais pas où nous sommes dans. Non, j'ai envie de t'abaisser. Nous reviendrons vite là-dedans. C'est important ça. Vous savez, beaucoup de gens n'aiment pas ça, mais c'est pour votre bien. Amen. Le produit qu'on vous vend sur le marché sont trop nocifs en fait. Pour la peau, il y a des choses naturelles. Naturelles, évidemment, on n'avait pas à pouvoir vous écorcher la peau. Non. Alors il dit, bon, voilà que c'est tout à fait parce que ça sèche évidemment la peau et elle manque de l'eau. Mais maintenant, si cette peau-là reçoit de l'eau, elle redevient bien. Je dis, mais par Dieu. Je connais une dame qui était sèche de peau. Non seulement de peau, mais de tout. Amen. C'est ça la vieillesse, non? Amen. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Amen. Il a redonné la vie. Amen. J'ai toujours eu à pouvoir dire, quand vous lisez cela, ce n'était pas seulement que Dieu l'a fait uniquement pour Sarah. Il peut le faire aussi pour toi. Amen. Parce que le Dieu qui a béni Sarah ici, c'est le même Dieu que tu pries. Amen. Aujourd'hui, nous disons deux fois, pour un croyant, rien n'est impossible. Amen. Mais arrivé à ce point-là, je dis, mais c'est impossible. Et ma peau, non, Dieu peut rajeunir ta peau. Amen. Tu, ça dépend pourquoi. Amen. Parce que Dieu peut tout faire avec toi seul. Oui.
Alléluia. Tu es sûr, Amen. Oui, tu veux avoir une belle peau, une belle capable, il faut être étonné. Amen. Amen. C'est vrai. Oui. Vous limitez trop Dieu, frère. Ah, c'est vrai. Vous les limitez, c'est sûr et certain. Parce que quand on parle maintenant, ah oui, c'est, mais la Bible dit pas que rien n'est impossible à l'éternel. Amen. Amen. Dieu est à mesure de te donner. Mais alors, pourquoi tu lui demandes la belle peau? Parce qu'il faut que tu dises à Dieu la raison pour laquelle tu demandes. Amen. Parce qu'il est disposé à te donner. Bon, mais tu veux cette peau, pourquoi? Amen. Je veux une jeunesse éternelle. Est-ce là, hein? Comme les hommes disent, mais en fait, mais pourquoi tu veux cette jeunesse éternelle ici? Parce que moi, je te l'ai donné. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. La jeunesse éternelle, tu l'as. Amen. Parce que un fils de Dieu, une fille de Dieu ne va pas vieillir, mon frère. Amen. Ce qui vieillit, c'est la terre qui va rentrer à la terre. Amen. Mais toi, non. Amen. Ton intérêt est toujours aussi frais, jeune, comme un frère. Parce que tu es un fils de Dieu. Amen. Tu ne vieillis pas, tu es éternel. Amen. Maintenant, s'il y a des problèmes de santé sur ton corps, tu peux dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me rétablisses. Amen. Il va le faire. Amen. 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 Pas pour que, fais-moi que je sois toujours la plus belle. Dieu ne va pas travailler avec toi. Amen. On voit que ma peau est toujours la meilleure de peau de tout peau. Je dis, Dieu ne va pas s'intéresser à ça. Amen. Il doit y avoir une raison pour laquelle. Seigneur, je veux ça parce que j'ai un problème. Amen. Et c'est sûr et certain, ma soeur. Tu viens ici, on prie pour toi, ça changera. Amen. C'est sûr, frère. Dieu veut que tu l'appelles bon. Comme j'ai dit ici, Dieu n'a pas demandé facilement la chose. Non. Seigneur, tu l'as dit, rien n'est impossible. Vous remarquez très bien que quand on est malade ici avec son intérieur, on prie. Dieu crée. Amen. Il ne peut pas faire avec ta peau. Amen. Alléluia. Amen. Vrai ou pas? Amen. 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 Et Dieu connaît le besoin de l'homme. Amen. Amen. Si nous demandons quelque chose de la bonne manière, Dieu va le faire. Amen. Amen. C'est vrai. Mais quand nous demandons mal, alors nous disons, alors voilà que les dix vierges sont donc sorties. Et qu'est-ce qu'on voit? Comme disait effectivement, les vierges folles ne se rendaient pas compte qu'elles étaient folles. La folie de quelqu'un se manifeste effectivement lorsqu'on lui donne des conseils. C'est ce que le proverbe dit. C'est lui qui refuse les conseils de réprimande et d'un insensé. Je connais tout, vous n'avez absolument rien à me dire. D'ailleurs, si moi j'ai besoin, ben, Dieu va me l'aider moi-même. Mon frère, ma soeur, Dieu a placé quand même des hommes. Amen. C'était comme des vierges. Oui, mais c'est vrai, on ne se rend pas compte, mais c'est vrai. En cet moment, tellement de gens se mettent tellement orgueilleux. Satan est très rusé en fait. Il n'écoute plus les conseils, il devient maître d'eux-mêmes. C'est comme j'ai toujours dit, c'est vrai, cet homme de Dieu avait raison. Dans une assemblée, la nôtre, c'est vrai que j'ai l'intensité par beaucoup de rappels. Mais quand Dieu a placé un homme qui vous conduit, vous n'aurez jamais la connaissance plus que cet homme. Surtout si c'est un homme appelé de Dieu. Un homme est appelé de Dieu. Frère, Dieu ne fait jamais chose dans le désordre. Et quand il doit faire quelque chose de tellement si important et précis, cet homme aussi est averti. Amen. Parce que tout doit marcher en ordre. Amen. 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 Dieu m'a dit, et puis il dit rien à son serviteur. C'est pas normal. Amen. C'est pas normal. C'est pas comme ça que Dieu, parce qu'il ne peut pas y avoir deux têtes dans une église. Jamais. Impossible. Il n'y a seulement qu'une seule tête. Alors, quand Dieu fait quelque chose, à ce moment-là, il y a une relation qui se fait. Donc la tête qui est là, dit, mais puisque c'est lui qui doit conduire. Donc Dieu quand même lui montre que c'est ça que je veux, c'est ça que je veux, et ça je veux. Et quand la personne vient, comme ça je disais effectivement à notre face, mais c'est la grâce que Dieu nous a accordée, évidemment. Mais vous venez, je m'assieds simplement avec vous, je peux rire avec vous. Je ris, je vous serre dans le bras, je ris avec vous. Je sais qui vous êtes.
Amen. C'est vrai. Pensez pas parce que je vous serre dans les bras, je regarde avec vous, effectivement. Mais c'est comme cela que Dieu veut que je sois. Mais quand tu viens avec ta situation, ton problème, tu t'assieds, tu commences à voir parler, effectivement. Vous ne réalisez pas, en fait. Vous dites, oh, mais on va le dire, mais on le connaît, ce frère, c'est bien, on connaît, effectivement. Mais vous ne vous êtes pas rendu compte que quand vous venez, vous avez dit, Seigneur, je viens t'implorer la grâce, dis-moi ce que je dois faire. Salomon, il fallait que Dieu fasse quelque chose au travers de lui pour qu'il soit établi au roi ce mois. Il fallait aussi que Dieu prouve au peuple que c'est Salomon ici. C'est quelqu'un dans lequel je plaçais quelque chose. Amen. Vous savez, non? Amen. Quand tu avais des problèmes avec les femmes. Sur un certain, frère, Dieu n'est pas un Dieu qui dort, non, c'est un Dieu qui voit. Amen. Donc, effectivement, c'est l'effet de pouvoir avoir la grâce de pouvoir écouter, de se conformer et d'aller de l'avant. Et il avait toutes, vraiment, les lampes, effectivement, qui étaient allumées, partaient, effectivement, oh, je me raconte. Mais ils n'étaient pas sensés, ils n'étaient pas sains, ils étaient insensés. Ils n'écoutaient rien. Nous avons, personne ne peut nous dire quoi que ce soit, nous partons. Non, mon frère, il faut écouter ce que l'Esprit dit. Amen. Celles qui étaient sages ont eu à pouvoir prendre de lui. Amen. Le Saint-Esprit ne peut jamais conduire un frère ou une soeur à pouvoir se révolter. Amen. C'est la vérité. Que Dieu te bénisse, mon frère. Tu entends le silence dans la salle, non? Regardez-moi ici, s'il vous plaît, devant. Le Saint-Esprit ne peut jamais conduire un frère ou une soeur à se révolter. C'est vrai. Amen. Amen. C'est 100% vrai. Le Saint-Esprit pousse chacun à se soumettre. Et surtout si c'est un enfant de Dieu, et Dieu ouvre les oreilles. La grâce que vous pouvez voir, c'est comme Marthe et Marie. Regardez, Marie était assise au pied du Seigneur, elle avait les yeux ouverts, la bouche ouverte, parce que tout ce que le Seigneur disait était les choses qui entraient dans la personne. C'est-à-dire que c'est autre chose n'avait pas de place en fait. Alors il écoutait, il entendait, effectivement, c'est tout ce que Dieu dit, c'est ce qu'il faut. Alors vous remarquerez très bien que, à la fin, bien qu'ils avaient la lampe, effectivement, ils avaient la lumière, effectivement, à la fin, le vierge folle. Vous savez ce qui s'est passé? Lorsqu'ils ont vu qu'effectivement, que leur lampe commençait à s'éteindre, frères et sœurs, n'aient pas écouté les conseils que les Saintes Écritures vous disent, et vous avancez selon votre propre façon de pouvoir faire, vous n'arriverez jamais à réussir à quoi que ce soit. Amen. Ce que Dieu dit dans sa parole est tellement si important pour le croyant, c'est comme ça que tu réussiras en tant que croyant. Amen. Qu'est-ce que le prophète dit? Mais moi, sagesse, j'ai pour demeure le discernement. C'est lui qui m'écoute, mais il vivra. Amen. Proverbe 8 et 13. Il réussira effectivement, parce qu'il a l'oreille pour écouter les choses. Alors remarquons très bien que, même dans le chapitre 20 d'Apocalypse, il est parlé en fait de la première résurrection, la seconde résurrection. Vous vous souvenez, non? Heureux ceux qui ont part à la première résurrection, car la seconde mort n'aura point de fait sur eux. Vous vous souvenez, non? Donc il y a toujours un groupe, deux groupes séparés. Même parmi les croyants. Amen. Alors, il y a un groupe, effectivement, qui a une position tout à fait particulière, différente, par rapport aux autres. Quand le Seigneur dit, je veux que là où je suis, que ce que tu m'as donné, soit aussi avec moi, vous suivez? Amen. Afin, vous avez entendu cela? Si nous prenons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, je vais te dire, regardez ce qu'il dit. Apocalypse 3, verset 20, dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la
importe que j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Verset 21 dit, c'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Vous entendez bien ça? C'est lui qui va vaincre. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Est-ce que vous entendez très bien ça? Donc, le Seigneur, lui, il dit que, pas à côté de lui, non, il dit, mais sur mon trône, sur mon trône à moi, je serai avec lui. Très bien, il s'assoit, il dit, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Est-ce que vous réalisez le rapport qu'il y a, mon frère et ma soeur? Il dit, moi, je vaincu. Et comme j'ai vaincu, je suis assis avec mon Père sur son trône. Comme moi, je vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Chapitre 4 de l'Apocalypse, il dit, après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette me disait, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite du temps. Aussitôt, je fus ravi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Si vous continuez à pouvoir lire, effectivement, vous pouvez voir la description de ce qu'il y a autour de ce trône. Effectivement, et comment les choses se passent, effectivement, pour celui qui est assis sur ce trône-là, l'adoration, tout ce qui est dans les cieux. La crainte, le respect, comme vous savez, effectivement, dans le livre d'Ésaïe, effectivement, aussi. Comment, effectivement, celui qui est assis sur le trône, effectivement, reçoit la gloire, l'honneur, effectivement, et tout. Et lui, il dit, c'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Alléluia. Comme moi je vaincu, et je suis assis avec mon Père sur son trône. C'est quand même fort, mon frère et ma soeur, de pouvoir voir cette relation. Et lui, il a vaincu, il est assis sur le trône de son Père. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous saisissez? Non, mon frère. Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec. C'est dans Jean 14 ans, c'est bon, j'ai dit, je sais pas. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Amen. Amen. Si cette parole n'avait pas été prononcée, ni toi ni moi ne serions jamais avec lui. Vous savez, mon frère et ma soeur, si il n'était jamais écrit, prononcé, que tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption, Jésus-Christ, notre Seigneur, ne serait jamais ressuscité. Est-ce que vous suivez? Amen. Il pouvait venir sur la terre, vous m'entendez? Marcher, guérir les malades, mourir comme tous les autres prophètes. Même si, dans le profond de Dieu, il fallait puisse ressusciter, il fallait que Dieu l'ait prononcé. Amen. Amen. Puisque cela a été prononcé, quand Christ est entré dans le monde,
il avait la force, l'assurance de dire, détruisez ce temple, je le rebâtirai en trois jours. Pourquoi donc? Parce que cela était déjà dit de lui. Amen. Écrit. Et puisque il a prié en disant, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, c'est sûr et certain, mon frère, que ceux qui sont réellement de Dieu, que Dieu lui a donné, sûr et certain, aussi vrai que les cieux et la terre existent, ils ne pourront jamais manquer. Là où le Seigneur s'éteint là, si toi tu es l'un d'entre eux, tu seras à côté de lui. Amen. Écoutez d'abord avant d'aller plus loin. Écoutez d'abord. Vous savez, quand le Seigneur dit que là où je suis, ce que tu m'as donné, je veux qu'il soit avec moi. Mon frère et ma soeur, cela veut dire quelque chose de tellement si profond et si important pour le croyant, celui auquel Dieu a accordé la révélation. Écoutez-moi cet apostolat. C'est là que vous comprenez l'importance réellement de la révélation de la parole de Dieu. Dieu est le seul qui peut te révéler, toi mon frère, toi ma soeur, ou toi en tant que fils de Dieu, ta place est trouvée. Amen. Frère, c'est vrai que nous connaissons cela. Maintenant, regardez une chose. Vous voyez que dans les Saintes Écritures, il dit, c'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu. Et je me suis assis effectivement sur le trône avec mon Père. Posez-vous un peu la question de pouvoir savoir. Quand il parle effectivement à celui qui vaincra. Parce que là où il est, le trône où il se tient, c'est là où tu es censé pouvoir être. Vous souvenez? Et pour que tu y sois, il dit, il faut que tu puisses vaincre. N'est-ce pas vrai? Ça veut dire que ce n'est pas donné. Vous me suivez, frère? Il a prié, mais ce n'est pas donné. Il faut que toi, tu puisses arriver à pouvoir vaincre. Pour que tu prennes la place, effectivement, qui t'est destinée, il faut que tu puisses arriver à pouvoir vaincre. Cela, maintenant, que l'homme prend conscience de ce qu'il est par rapport à la promesse que Dieu lui a faite. Écoutez d'abord, vous vous souvenez, nous avons parlé ici avec vous, quand Dieu a dit à Abraham, Sarah ta femme t'enfantera un fils. Vous vous souvenez? Je vous ai dit, même si Lot avait sa femme qui était juste à côté et qui était aussi stérile, la femme de Lot ne pouvait jamais enfanter parce que la promesse n'avait pas été faite à Lot et à sa femme, mais la promesse avait été faite à Abraham. À Sarah. Amen. Amen. Donc Abraham savait que c'était à lui. Sarah savait que c'était à lui. Maintenant, comme Abraham le savait, voilà maintenant que le combat vient dans sa vie. Tout lui montrait qu'effectivement que c'est pas possible. Malgré que tout lui montrait que c'était impossible. Abraham a persévéré. Amen. Écoutez, frère, que Dieu te bénisse. Amen. Écoutez, mon frère. Abraham savait une chose. Que cette chose-là lui était donnée à lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, les situations difficiles,
allait parvenir effectivement à être sur le chemin d'Abraham. Son corps, tout ce qui était autour de lui, montrait qu'effectivement Abraham. C'est pas possible que tu puisses avoir un enfant. Et puis en plus de cela, ta femme elle est déjà vieille, avancée en âge. Oh, rien ne peut se faire. Mais en fait, la différence entre Lot et Abraham, c'est que Dieu avait parlé à Abraham, clairement. Regarde les étoiles du ciel. Et puis après, c'est un peu comme en général, et puis il s'approche encore de lui pour lui dire, mais en fait, ce n'est pas Agar dont je parlais, Abraham. Je parlais de Sarah. Mm-hmm. Sarah là, la vieille là, la stérile là, je ne t'ai pas demandé de me faciliter. En fait, c'était Sarah qui voulait faciliter la tâche à Dieu avec Abraham. Vous vous souvenez? Oui. Prends Agar, effectivement, ma servante, évidemment. Et puis comme ça, ça va arriver, ainsi de suite, avec Ismaël, pas de problème. Mais Dieu n'a jamais demandé qu'on lui facilite la tâche. Ah, oui. Mon frère et ma soeur, il y a une chose de Dieu qui doit se manifester en toi. Quand la parole de Dieu déclare une chose, pour toi en tant que fils de Dieu, la persévérance. Amen. Alléluia. Nous répétons ce mot, frère, mais en fait, nous ne l'avons pas. Quand nous ne l'avons pas, ce que la chose n'est pas pour nous. Qu'est-ce qu'il faut vaincre pour un fils de Dieu dans un temps comme celui-ci, par exemple? Qu'est-ce qu'il faut réellement vaincre? Parce que la promesse, c'est que le Seigneur a eu à pouvoir. Vous savez, je termine par là, s'il vous plaît. Dans, nous l'avons entendu, que là où je suis, que tout ce que tu me dis soit au ciel. N'est-ce pas vrai? Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? À un signal donné, à un moment donné, vous savez, non? Amen. Et qu'il a dit, et nous serons toujours. Regardez bien, c'est écrit, hein? 1 Thessaloniciens, chapitre 1. 1 Thessaloniciens, je pense que c'est cela. Oui, oui, c'est ça. Chapitre 4, je pense que c'est cela. Regarde. Il dit, voici en effet, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15, dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. N'est-ce pas vrai? Amen. Vous avez entendu, non? Amen. C'est pas avec tout le monde. Hein? C'est un groupe bien de peuples bien défini. Et nous serons toujours avec le Seigneur tous les jours. Je reviens encore. Regardez, frère. Vous vous souvenez quand le Seigneur a dit à Élie qu'il va effectivement partir, qu'il fallait qu'il puisse joindre Élisée à sa place. Vous vous souvenez, non? Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'Élie avançait, Élisée s'approchait. Tous les autres savaient qu'Élie allait être. Ils étaient au courant de ce message, ils savaient très bien. N'est-ce pas vrai? Amen. Ils ont regardé. Mais Élisée suivait Élie. Élie dit à Élisée, mais reste ici, non, ne t'accroche pas à moi, reste ici. Qu'est-ce qu'Élisée lui a dit? Par ton âme, par ta vie, je ne t'abandonnerai point. Non pas une fois, non pas deux fois. Élie insistait, reste ici. Pourquoi cet homme persévérait ainsi? Mais parce qu'il y avait quelque chose de Dieu Amen. Avec lui et Élie. Amen. Les autres n'ont pas bougé. Ils savaient, ils étaient assis, effectivement. Ils n'ont pas bougé. Posez-vous la question, mon frère. C'est vrai. À celui qui vaincra, qu'est-ce que toi, tu dois vaincre, toi? Amen. Tout le monde ici croit aussi la parole. Tu es aussi du nombre de ceux. Vous savez, dans le monde aujourd'hui, il y en a tellement beaucoup, en fait. Mais qu'est-ce qui te différencie, toi, de l'autre? Quelle différence y a-t-il entre toi et l'autre?
frères, tu sais, nous, nous sommes sortis des dénominations et nous suivons le Seigneur. Mais en fait, qu'est-ce que tu fais vraiment de différent par rapport à une dénomination? Qu'est-ce que tu fais de différent par rapport à une dénomination? Tu parles à ceux qui... Qu'est-ce que tu fais de plus différent? Parfois, vous serez surpris de voir que les gens qui sont dans les dénominations font plus que vous. Je donne un exemple. Dans les Bibles, les offrandes. Pour que vous donniez même les offrandes de la dîme, c'est toujours un problème pour vous. Je donne un exemple. Mais si vous êtes dans les dénominations, le pasteur s'est dit, écoutez, j'ai au moins 4000 euros de factures que je n'ai pas su payer, il ne va même pas sortir, les enveloppes sont déjà. Nous avons un problème d'électricité, il ne va pas sortir. Demain, tu entends les frères et les sœurs de mon cotisé. Les enveloppes sont là. Mais vous, quand on dit, ah, on a parlé, mais il devait prendre soin, hein, il devait quand même voir si c'est l'œuvre de Dieu, Dieu devait en prendre soin quand même. Hein. Non, c'est un exemple que je donne. Oui. Vous puissiez comprendre. C'est vrai. Quand on doit prier, prenons un temps pour voir après, dans la prière, effectivement. Même ici, j'ai toujours dit, hein, après la réunion, Dieu soit béni pour ceux qui restent. Mais dans l'illumination, allez-y. Hein. Vous trouvez les gens à donner aux prières. Vendredi, ils sont là le soir, moi j'étais toujours étonné, dans la salle, là, où on prie, effectivement. Ils prient, effectivement. Ils prient. C'est comme ça, hein. Mais chez vous. D'ailleurs, rien que je prends un petit peu de temps, on commence à se fatiguer, on tourne le pouce, c'est vrai. Je le sais. Mais dans les autres endroits, c'est pas comme ça. Les gens ont besoin de Dieu. Ils ont besoin de la parole de Dieu. Et ils se mettent à pouvoir prier, effectivement. Mais vous, compte. Oh, nous sommes différentes dénominations, mon frère. Mais c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous faites de plus que eux par rapport à eux? La grande différence que nous avons, frère, c'est que Dieu nous a donné la révélation. Amen. On glorifie Dieu pour cela. Amen. Mais qu'est-ce que vous faites avec la révélation que vous avez reçue? Qu'est-ce que vous faites avec la parole que vous avez reçue? Frère et sœur, il y a des gens qui viennent ici pour la première fois. J'ai toujours dit, hein, ces gens viennent, on les fait lever, bonjour, bonjour, et puis après ils sortent. Personne ne se soucie d'abord de savoir où est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils sont effectivement. Est-ce que, frère, on ne peut pas vous amener, venez un peu, on va parler un peu, on va prier. Après la réunion, est-ce qu'on peut prier un tout petit peu? Les gens qui viennent parfois, ils sont, vous ne le connaissez pas, c'est très limite, pour la première fois. Qui s'empresse de voir, on me dit, mais je vais m'approcher d'eux. Allez dans l'invitation, vous trouverez. Quelqu'un vient pour la première fois dans votre assemblée ou quelqu'un qui n'est pas venu à longtemps, on l'entoure, on l'approche effectivement pour prier avec la personne. Amen. Amen. Pourquoi on fait cela? Parce qu'il y a quelque chose au-dedans de vous qui fait que Dieu a fait quelque chose pour moi, je dois atteindre un but pour l'autre. Amen. Vous persévérez à bien faire ce que Dieu a fait de vous. Amen. Regardez-vous, frère, c'est sûr et certain. Oh, nous allons au ciel. Frère, dans quel ciel vous allez aller? Vraiment. Nous régnerons avec lui, vous allez régner avec qui? Même pour prier pour quelqu'un, on n'a même pas 5 minutes pour le faire. Mais quand tu as critiqué une personne, vraiment. Même les crédits que vous avez mis dans vos téléphones, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Prends le temps de critiquer la personne, prends le temps de prier. Elle dit, mais mon frère, je ne t'ai pas vu, ou ma soeur, approche-toi, on va prier ensemble. Amen. Oui, mon frère. Moi, je vous dis, j'ai toujours dit, hein, si un frère, même aux études, chez moi, à la maison, tous les jours, j'ai cherché des gens à prier. Je savais où Dieu m'avait ramassé. Tu savais l'importance d'aider aussi l'autre. Pourquoi je suis découragé, effectivement, le nouveau qui vient? Parce qu'il vient, vous êtes toujours dans votre groupe à vous. Hein. Vous parlez avec celui-ci, et l'autre, effectivement, il ne se retrouve pas. Et pourtant, il vient dans un lieu où se trouvent les croyants. Amen. Votre problème, vous êtes devenu tellement si élevé, vous ne pouvez pas vous abaisser pour l'autre, en fait. Vraiment. Ah, je vais aller au ciel avec Jésus aussi. Ce que Dieu t'a donné de pouvoir d'abord faire sur la terre, c'est pas, il va pas le faire. Il faut que quelque chose se passe au-dedans de chacun, frère.
on est trop occupé pour soi-même, pas pour l'autre. On ne sait même pas où il habite. Et puis un de ceux-là qui sont des frères, ils sont même malades à la maison. Tu ne sais même pas. On attend que les pasteurs les fassent. Mais les pasteurs ont beaucoup. Nous avons les messages, mon frère. Ce que Dieu attend de toi, ce que tu trouves, ce que tu as, vaincre quoi? Tu dois vaincre l'égoïsme. Amen. Amen. Tu dois vaincre l'amour de soi-même. Moi, moi, non. Maintenant, Seigneur, ce n'est plus moi. Je dois voir aussi mon frère. Cet homme ou cette femme, ils ont besoin de toi. Tu dois m'offrir aussi aux autres. Amen. Parce que tous ceux qui viennent ici, ils ont besoin de cela. Amen. Ils ont trouvé effectivement l'égoïsme dans le monde. Ils viennent ici pour voir, on va trouver une ouverture. Mais ils vous trouvent chacun comme ça. Il y a un problème. Amen. Il y a un souci quelque part. On se garde comme ça. Et quand vous avez un problème, pasteur, priez pour moi. Je suis. Mais quand l'autre a un problème, vous n'avez pas à vous mettre à genoux aussi. Voilà. Votre problème à vous est plus important que celui de l'autre. Qu'est-ce que l'Écriture te dit, toi? Considérez aussi les intérêts des autres. Amen. Donc je veux maintenant, parce qu'il faut vaincre, mon frère. Vaincre, et bien ce n'est pas qu'on va partir comme ça. Non! Tu as une nature que tu dois arriver à pouvoir vaincre. Quand on te donne un conseil, il faut savoir écouter. Amen. J'ai toujours dit, mon frère, je regarde toujours la nature des gens. Quand quelqu'un vient chez moi, enfin, vient me voir, je lui parle effectivement. Quand tu l'entends commencer à se justifier, discuter, oublie. C'est un conseil que je vous donne. Un frère, oui, ça arrive bien. Voilà, frère, je vais vous voir, j'ai un problème, effectivement. Ça. Bon, moi, je pense. Parfois, je regarde, je me dis, oh, vous avez raison, il n'y a pas de problème. Partez. Ça ne sert à rien. Un fils de Dieu n'a pas à se justifier. Amen. Tu as un problème, tu as un souci, tu viens pour demander un conseil, écoute le conseil. Amen. Si tu n'as pas besoin de conseils, ne viens pas. Amen. Mais si tu en as besoin, alors écoute. Amen. Et c'est la même chose, mon frère, pour ton frère qui vient vers toi, qui a besoin de toi. Alors, si tu as besoin de ton frère, va expliquer, Seigneur, mon frère, voilà, tu as tel besoin, effectivement. Amen. Pas extrapoler, dis ce que tu as comme besoin. Et si c'est un fils de Dieu, il agira en fonction. Amen. Nous avons besoin, frères et sœurs, d'être comme l'Écriture le dit, de l'être lui. Amen. Nous sommes trop égoïstes. Et nous disons que nous avons la parole. Nous disons que nous avons. Frères et sœurs, combien de fois tu étais à genoux pour prier pour un tel frère ou une telle sœur? En fait, on dit, bon voilà, nous avons tel. Par exemple, je regarde juste un exemple. Je vais terminer par ici. Je regarde ce frère. Je viens. Il vient avec des requêtes. Quand il dit prions pour le requête. J'ai béni Dieu, parce que je crois que j'ai dit, on a prié beaucoup pour le frère Samuel. Mais les autres requêtes. Écoutez celui qui élève la voix. Alléluia. C'est ce jeune homme. Amen. J'ai marché et j'ai dit, vous savez, moi je souffre beaucoup. Hein. Oui. J'ai dit, Seigneur, ce peuple, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire, Père? Oh, Jésus. Vous êtes trop orgueilleux. Hein, mais quand il s'agit de votre problème, votre fils à vous, vous voulez que tout le monde pleure ici. Alléluia. Quand c'est quelqu'un d'autre. Même pour vous entendre, c'est lui qui dit, Seigneur, pardonne, Seigneur agis, Seigneur guéris. Lui, ici, je l'écoute. Alléluia. Et je regarde vers vous, non. Mais quand c'est le cas de votre enfant, votre neveu, cousin, c'est ici que vous voulez parler. On dit que tout le monde doit prier ici. Mais l'autre, quand on demande la requête qui vient de l'étranger, vous ne priez pas. Vous ne priez pas. Alléluia. Vous priez vraiment. La seule requête que j'ai entendu, vous avez prié vraiment, c'est de faire ça bien. C'est vrai ou pas? Dans quel ciel vous voulez aller? Et quel message que vous avez reçu? Quelle lumière que vous avez? Les dénominationnels vont vous précéder, frère. Devant nous.